Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo pour annoncer tous les événements autour de la tournée d'été 2018. La tournée d'été, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un événement qui se veut festif et convivial, et comme son nom l'indique, cela aura lieu donc sur le mois estival pour proposer d'autres activités, même pendant cette période potentielle de vacances. Donc la tournée d'été se divisera en fait en plusieurs événements dont nous allons parler juste après. Et pourquoi cette tournée d'été ? Eh bien, comme je viens de vous le dire, pour que la délégation vous propose des activités, et même pendant le mois de juillet, où certaines personnes sont peut-être parties, ou d'autres sont sur des activités de loisirs, ainsi, eh bien, vous ne serez pas coupé des activités de la délégation, vous aurez des choses qui vous seront proposées, et aussi, cette tournée d'été, elle a pour vocation de se rapprocher de vous tous, de tous les adhérents, où que vous soyez, puisqu'il y aura plusieurs lieux où va se réunir APF France Handicapeur et Loire, voilà, pour se rapprocher de vous et que ce soit des événements de proximité qui ne seront pas que sur Chartres. Pour ce grand événement à venir en plusieurs étapes, nous pouvons tout d'abord remercier Sonia, que vous connaissez peut-être déjà, qui est actuellement en service civique à la délégation en tant qu'ambassadrice du lien social, et qui, par la suite, après le départ de Charlène, qui elle aussi fait beaucoup pour la délégation, eh bien prendra le relais sur ce poste. Et donc actuellement, Sonia en fait, organise tous les événements relatifs à cette tournée d'été. Voilà, elle gère tout ça, et il y a beaucoup de logistique, donc encore une fois, un grand merci. Et en fait, la tournée d'été, eh bien, ça se fait vraiment en plusieurs choses. Il y aura les stands, voilà, à organiser. Tout le côté animation pour que ce soit plaisant au possible et que vous puissiez nous repérer. Mais aussi, les autorisations auprès des mairies sont à gérer puisqu'il faut avoir le droit de se réunir. Et donc, nous pourrons nous retrouver sur plusieurs dates qui auront lieu à 2 ou 3 jours d'intervalle, dont la première donc, sera le 2 juillet. Puis le 4 juillet, le 6 juillet, le 9 juillet et enfin le 11 juillet. Je vous donne toutes les dates, sachant que bien entendu, vous pourrez les retrouver avec les lieux et les horaires précis sur le blog APF28 et aussi sur notre page Facebook APF France Handicap Eure-et-Loire. Surtout, à bientôt pour tous les événements de la tournée d'été où que vous soyez dans le département. Merci.